Bonjour et bienvenue à ce 99e épisode de Lightroom Retouch Express, on va travailler sur cette photo de Yann, Yann est un membre de la Wii Family, vous le retrouvez sur le forum, je crois d'ailleurs qu'on avait fait une interview sur le blog de Yann, et euh, il nous a présenté un noir et blanc, mais ce n'était pas assez punchy pour moi, donc je lui ai dit passe-moi l'original, ce qu'il a bien voulu faire, et je vais vous montrer euh, ben, moi ce que j'ai fait avec et comment je l'ai fait. Euh, le titre de sa photo c'était Stairway to Heaven, puisque ça, ça ressemble à une espèce d'escalier, ça doit être un truc pour trimballer des peut-être des, des, des ballots de, de foin ou un truc comme ça. Et euh, je vais essayer de faire quelque chose d'assez sombre, assez dark, mais avec ici une partie plus claire. Éventuellement, sur Photoshop, on ira rajouter un soleil ensuite euh, pour faire vraiment un truc qui part vers la lumière. Donc, euh, bah, je vous propose de commencer. On va commencer par regarder tout ce qui est recadrage et retraitement. Donc là, on va aller euh, ici avec repère parce que il n'était pas tout à fait en face. Donc je vais corriger un peu ici. Voilà. Et puis on va dire que cette partie-là doit être droite aussi. Voilà, quelque chose comme ça. Alors peut-être un peu plus par là. Encore un peu. Voilà. Là, ça me va pas mal. Et ensuite, je vais recadrer. Alors je vais laisser la même distance là et là. Je ne vais pas centrer ça. Parce que autrement, ça fera déséquilibrer à cause de cette grosse partie-là. Donc là, je vais plus m'occuper que la distance là et là soit la même. Voilà. Donc là, on a une base euh, et on va pouvoir commencer à travailler sur cette photo. Je vais m'occuper des niveaux là pour commencer. Donc on va baisser un peu l'exposition. Alors vous voyez qu'évidemment l'engin, il devient un peu sombre. On va remonter. Euh, les ombres on va jouer avec la clarté alors je veux faire un noir et blanc donc euh, tant qu'à faire je vais appuyer sur noir et blanc là je suis dans le profil adobe monochrome mais euh, je vous ai déjà montré les profils là, dans un, un, un cours récent c'est une nouveauté euh, une nouveauté de, de lightroom mais là je vais rester en adobe monochrome ça me va très bien pour, euh, pour l'exercice et euh, maintenant que j'ai fait ça il va falloir que j'aille récupérer le ciel donc ça on va faire ça avec de la retouche locale donc là, je vais simplement prendre un pinceau de retouche ici. Euh, donc ce que je vais faire, c'est clarté, d'accord, et correction du voile. Ok Et je vais, important, me mettre en masquage automatique. Euh, comme ça, comme il y a une, une belle différence de, de ton entre le ciel et l'engin, euh, il s'en sortira sans problème. Alors avant de faire ça, je vais peut-être corriger l'aberration chromatique. Parce qu'il y en a pas mal. Supprimer l'aberration chromatique, ça m'aidera peut-être lors du masquage. Alors, euh, j'étais là, très bien, je masque et c'est parti. Je passe mon pinceau. Alors, je vais appuyer sur haut pour voir euh, voilà, où je le passe. D'accord Donc comme je suis en, en masquage automatique, il s'arrête au bord des choses. C'est un peu le l'idée du masquage automatique. Alors là-haut je passe mais c'est pas bien grave parce que on fera de toute façon un, un, filtre, un filtre radial qui va éclairer et retirer la correction là-haut pour que ça soit plus clair. Voilà. Là je vais changer de, de pinceau. Voilà, très bien. Hop. Alors, je vais passer à l'intérieur aussi. De ce côté-là. Et là, ici. Alors là, il rentre un peu dedans, on va aller le corriger. Voilà, dans l'idée, c'est pas mal. Encore là. Donc là, je vais faire Alt pour avoir le moins et je vais retirer la partie qui est là. Et là, je vais zoomer également sur... Alors là, j'appuie sur barre d'espace pour avoir la main et je me déplace. Et là, je vais appuyer sur Alt et je vais retirer la partie qui est ici. Voilà, et les parties qui sont là où j'y suis allé un peu trop. Voilà. Quelque chose comme ça. Et là, quelque chose comme ça. Et là, je repasse simplement en masquage automatique. Et là, ce coup-ci, il le fera. Voilà. Et là, c'est pas mal aussi. Ok. Donc là, je réappuie sur O pour voir le résultat. D'accord Donc vous voyez que j'ai bien récupéré mon ciel. Hein euh, L'idée. Alors maintenant, on peut faire plus, moins, à vous de voir. C'est-à-dire que là, si je reprends, je peux faire encore plus si je veux, si je corrige encore plus le voile. Mais comme je vais mettre un peu de, de vignettage après ou un truc comme ça, là, ça me paraît pas par mal. Alors maintenant, ce qui ne me plaît pas, c'est que ça, c'est peut-être un peu trop sombre. Ici, c'est un peu trop clair. Là, je veux faire un rond euh, plus clair, d'accord Donc, ben, on va utiliser simplement euh, différents filtres euh, radial puis on va faire ça euh, tranquille. Donc, euh, je vais double-cliquer là pour annuler l'effet. Ici, cette partie-là, là, je la trouve peut-être un peu claire, d'accord donc je vais euh, simplement euh, baisser un peu l'exposition et euh, peut-être augmenter un peu la correction du voile pour amener un peu plus de structure. Donc là ça me va bien. Ensuite j'en fais un nouveau ici. Euh, nouveau, j'ai dit. Ici, parce que là je trouve que c'est un peu trop foncé. D'accord Donc là, je vais simplement baisser un peu la correction du voile pour retirer un peu. La, la, la structure et rendre ça un peu moins foncé ça je vais le dupliquer Hop, et je vais aller le mettre là en dessous et là je vais baisser la clarté voilà. je vais rendre cette partie là un peu plus molle pour qu'elle attire un peu moins euh, un peu moins l'œil donc là je baisse aussi un peu l'exposition quelque chose comme ça encore un peu la clarté voilà. Ça, je vais le dupliquer et je vais le mettre de l'autre côté de la même manière ici pour assombrir un peu cette cette partie-là et je vais même baisser les hautes lumières. Voilà. Donc là, on est pas mal. Et il me reste celui en haut là. Donc j'en fais un nouveau et le nouveau ici, il est là. Voilà. Un peu plus grand, et je vais simplement réduire un peu la correction du voile, comme ça, et je vais augmenter l'exposition, voilà, pour que ça soit plus clair là-haut. Voilà, là ça me, va, ça me va pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore On voit ici un petit défaut, j'ai pas dû passer. Cette partie-là est peut-être un peu trop sombre, et là c'est peut-être un peu trop bruité. Et eh bien on va s'en occuper. Donc, pour le centre, là, un peu trop foncé, bah, à nouveau, hein, un petit radial euh, qu'on va mettre euh, qu'on va mettre ici, dans ces eaux-là, quelque chose comme ça. Hop là, et on va augmenter un peu l'exposition. Voilà, comme ça, c'est un peu plus homogène sur, sur euh, toute la chaîne, là. Et puis, ensuite, ici, on va là. Et euh, sur cette partie-là, j'ai dit là, je ne suis sûrement pas passé. Voilà, là, je suis passé, c'est bon. Et euh, je vérifie au bord. Et donc ici, euh, là-haut, euh, le bruit, on va simplement ici le réduire en, frein, en augmentant la correction du bruit. Voilà quelque chose comme ça. J'aurais tendance à dire qu'on a terminé. Alors euh, non, j'ai pas fait le vignettage. Donc vignettage, hop, on descend un peu comme ça. On va un peu plus au milieu. Et là, c'est un noir et blanc bien punchy, comme j'aime. Éventuellement, on peut travailler aussi... Tiens, on ne l'a pas fait... Euh, attendez, on va revenir par là. Euh, on ne l'a pas fait sur tout ce qui est euh, mélangeur de couleurs. Mais là, si on joue avec les jaunes, les oranges, les rouges, on peut faire ressortir certaines, euh, certaines parties de rouille. Vous voyez, on peut faire euh, ce genre de choses. On peut le rendre peut-être un, peu un peu plus sombre. Je vais monter un peu, le, un peu le jaune aussi. Voilà, donc là, il y a un peu plus de structure. Et bien maintenant, on va sur Photoshop terminer avec le soleil. Allez, modifier dans Photoshop. Hop, c'est parti. Nous voilà dans Photoshop avec la photo. Maintenant, il faut aller récupérer. Alors, je vous ai déjà montré sur Internet comment récupérer des. Des espèces de textures, de flairs ou ainsi de suite. Donc, on va, je, vais, je vais juste ramener directement le truc ici. Donc, je suis allé récupérer un soleil sur Internet. CTRL V. Voilà, il est là. On va. Alors, en mode ici, on va se mettre en superposition. Très bien. Je vais le monter à l'endroit où ça m'intéresse, c'est-à-dire plutôt dans ces eaux-là. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, ensuite, ici, vous voyez un trait de séparation là. Euh, donc, ce qu'on va faire, on va simplement faire un masque de fusion. Ici, on va prendre ici le dégradé en noir et blanc. Et on va faire un dégradé de là à ici. Voilà, et le trait a disparu. Donc, là, j'ai simplement fait un petit dégradé là pour que ça passe plus facilement et qu'on ne voit plus. Ici le trait lié à l'image et au mode superposition. Et ben voilà, j'ai terminé. Donc euh, vous voyez un peu, de, un peu de Lightroom, enfin beaucoup de Lightroom, et la petite touche finale sur Photoshop. Et voici la version finale, enfin ma version finale de Stairway to Heaven. Et on va faire un petit avant-après sur Lightroom pour que vous puissiez voir tout ce que j'ai fait. Donc avant et euh, après. Et vous voyez que, bon, à part le soleil, tout était déjà dans la photo. Hein, il fallait juste arriver à le faire ressortir. Les choses qu'on pourrait, euh, je dirais, améliorer ici, là, on a une espèce de petit liseré blanc qui est pas très beau. Ici aussi, on a une espèce de petit liseré blanc. Alors, allez, on va on va faire ça vite fait. Donc, ce n'est pas celle-là que je veux. Ah, vous voyez, j'ai fait différentes versions parce que j'ai des problèmes ces temps-ci pour enregistrer. Mais voilà, c'est cette version-là, puisqu'il y a encore l'herbe là en bas. Alors, je vais simplement ici faire un petit radial là, et je vais simplement aller baisser ici euh, la clarté ou le contraste. Voilà, quelque chose comme ça. Baisser aussi peut-être aussi un peu le contraste. Voilà. Et donc là, vous voyez, et baisser un peu l'exposition. Donc là, on arrive à, à virer le, le petit liseré blanc. Vous voyez, si je le fais sans ou avec, vous voyez, on a réussi à le virer là. Et on peut faire un peu la même chose ici. Là on en voit on en voit un là qui n'est pas, pas terrible. Donc on va prendre ici cette zone-là. Et on va lui baisser un peu la clarté. Souvent, ces trucs-là, c'est souvent lié à la clarté. Hein. Voilà. Hop. Et là, comme ça, il a quasiment disparu. Donc là, c'est un peu plus sympa. On, ces deux défauts-là ont disparu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Stairway to Heaven, une photo de Yann, revue par moi-même. Si ça vous a plu, le petit pouce en l'air, comme d'habitude sur YouTube, ça vous permettra à d'autres personnes de découvrir, oui, photos. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.